salut à tous, aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur CSGO. C'est la première vidéo CSGO de la chaîne d'ailleurs. En ce moment j'ai repris un peu CSGO, j'aime bien jouer à CS. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch car de temps en temps on fait des petits lives sur Twitch sympathiques. On fait un peu de classé, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux d'ailleurs. Twitter, Discord et TikTok. De temps en temps je pose un peu des frag movies sur TikTok, des trucs un peu drôles. Donc n'hésitez pas à me suivre, les liens sont dans la description. Allez, passons tout de suite au concept de la vidéo. Sur CSGO il y a un mode qui s'appelle Overwatch. C'est quoi, me diriez-vous, si vous n'êtes pas joueur CSGO? C'est très simple, je vais vous expliquer. Overwatch sur CSGO, c'est un mode de rediffusion qui permet d'analyser des gameplays de comptes qui ont été beaucoup signalés ou qui sont susceptibles de cheat. Donc en gros, le concept de la vidéo, c'est simple. Aujourd'hui, nous allons être juges et nous allons analyser des gameplays. Et à la fin de chaque analyse, nous donnerons notre verdict. Nous pourrons dire si oui ou non, c'est un cheater. Et n'hésitez pas, si vous êtes un joueur CSGO, à faire un peu d'Overwatch. Car si tout le monde ferait un peu d'Overwatch, ça permettrait de bam encore plus de comptes. Trêve de blabla, passons tout de suite au suspect numéro 1. Ok. Ah bah voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure. À moins qu'il troll, mais là je pense pas qu'il troll. Donc là on n'est pas sur Office, mais plutôt sur le sol d'Office, parce que ça va être ça tout le long. Ça c'est du spin bot, hein. Et là il est en train de faire la toupie de l'Eden. Ouais, j'ai l'impression que la minimap elle est buggée de fou. Parce que sinon en face aussi, j'ai l'impression qu'il cheat le mec. C'est l'un des cheats les plus répandus sur CSGO. Moi franchement en compétitif j'en croise pas trop. Mais là je pense que ça va être difficile pour les mecs en face. Ouais. Sur ce genre de cheat je crois qu'il se voit à la troisième personne hein, si je dis pas de la merde. Je suis pas sûr, dites-moi en commentaire les amis. Bon, le gameplay pas très intéressant donc on va tout de suite percer au verdict. Et donc voilà, on se retrouve au verdict. Donc là croyez-moi que je vais pas être sympa donc... aide à la visée, preuve irréfutable. Aide à la vision, pareil. Aide externe, la même chose, hein, il a un spin bot. Et mauvais comportement, irréfutable. Rayon, que ce soit pas un spin bot, on est sur Mirage. Est-ce qu'on nous allons voir le sol de Mirage tout le gameplay? Pour l'instant, il spin bot pas. Est-ce que c'est un bon joueur? Est-ce que c'est un bon joueur ou c'est un cheater? On ne sait pas encore. Déjà, son crosshair placement, il est pas ouf. Ça a l'air d'être... Ils ont l'air d'être bas et low. Suspect. Ok, déjà, là, il est AFK. Peut-être qu'il va activer son cheat maintenant, je sais pas. Moi, qui est en train de boire, peut-être. Ok, ça décide de pick mid. Ok. Oula, le mec en face, il bunny. Ouais, aimbot. Aimbot, 100%. 100% aimbot. Il a mis un truc trop bizarre au mec. On peut re-regarder. Son crosshair placement est à chier, on va pas se mentir. Je sais même pas à quoi il joue. Ok, il prend un sniper. Il prend... Ça, c'est les armes préférées des cheaters en général. Ça, il me bloque dessous de la tête. Ok, le mec en face, il joue bien. Il attend qu'il vienne chercher la bombe. Très, très bizarre. Les têtes qu'il met. Ah ouais, alors là c'est trop chelou, son viseur il a fait un truc trop chelou. Ouah, mais qu'est-ce qu'il fait? Comment il joue? Oh, ses déplacements ils sont horribles. Il met que des têtes, hein. Il doit avoir un pourcentage de headshot incroyable. Par contre c'est sûr qu'il n'a pas de wall. Ah bah voilà. Voilà, vous avez vu ce que son... Ouais voilà, bah lui il cheat 100%. 100% il cheat. Ah, il appuie bien sur un cerf. Hein. Ah ouais, ah, là en face, moi je serais en train de péter un câble. Ah, il a peut-être un auto-bunny. Vous avez vu ses bunnies, ils sont ultra propres. Pour moi, il a un truc qui lui fait ses bunnies automatiquement. Comme sur certains cerfs là. Parce que ses sauts, ils étaient parfaits, genre. Ses sauts étaient parfaits de son bunny. Et puisqu'il a des déplacements vraiment horribles et à chier, bah il a un wallhack. Et puisqu'il a vraiment des déplacements horribles et à chier, ça m'étonnerait qu'il sache aussi bien bunny. Donc pour moi là, il cheat. En face ils sont désespérés. Ils se montent sur la tête l'un de l'autre. Soit... Ah bah voilà. Alors là le mec en a vraiment plus rien à foutre quoi. Il active le spin bot. Ouais, c'est triste de voir ça. Ah ouais.
Ah, il est fort, il est très très fort. Je crois qu'on est parti pour regarder le solde Mirage. Comme ça, on aura peut-être fait le solde de toutes les maps à la fin de cette vidéo. En face, ils sont tous dans le spawn, ils sont dans cet spawn là. Ils veulent plus bouger là. Ses potes, ils en ont rien à foutre. Ils savent que la game elle est gagnée d'avance. Aïe aïe aïe, dommage. La sanction va être sévère avec lui. On va pas le louper. Aide à la visée. Preuve irréfutable. Aide à la vision, preuve irréfutable. Autre aide externe, preuve irréfutable. Mauvais comportement, preuve irréfutable. On lui met la totale, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pitié avec ces gens-là, les gars. Donc là, on est sur, encore une fois, un mirage. Et il y a 8-8, il y a égalité. Est-ce que quelqu'un a pété un câble dans ce game? Hétéro push A. Le mec... Le compte suspect est un peu lent, donc je pense pas que ça soit du gros... Ça touche bien la tête, mais après, c'est faisable. Ok. Pour l'instant, rien de suspect, rien de suspect. Ok, deuxième tête, c'est faisable. Ça a pas l'air trop de regarder à travers le mur. Quoique. Non, non, en vrai, non, ça va. C'est bizarre, tu vois, là, il check pas à droite. C'est un peu bizarre. J'ai une petite suspicion de Wallach, mais petite. Genre, on dirait il a un Wallach, mais genre, il fait semblant de pas en avoir un, genre. Oula, donc là, il est AFK. Ok, il reprend. Ça, ça, c'est très, très bizarre. Ça, c'est très, très susceptible de cheat. Ok. Ouais, bah là il... Bon après des fois moi aussi ça m'arrive de tirer là parce qu'on sait que ça traverse, tout le monde sait. Il a quand même bien regardé quoi, un peu chelou. Bon là il l'a entendu. Là il l'a vu mais bon. Ouais pour moi il a un voilà, c'est trop trop bizarre ce qu'il fait. Ok. Donc on va voir ce qu'il va faire. Et déjà il saute, il fait vraiment de la merde, c'est pas un bon joueur, c'est vraiment pas un bon joueur. Mais qu'il a un aim aussi bon, un Stello là, c'est bizarre. Ok, il a un peu peur, il sait qu'il a une AWAP. Pour moi là, il sait qu'il a une AWAP 100%. Parce que sinon il piquerait, hein. Il en a rien à foutre. C'est très très bizarre, hein. Quand même, il a l'air d'être bien au courant de ce qui se passe. Mais il cache bien son Wallach, parce qu'il regarde pas à travers les murs. Bon, là, s'il remet un Wallach tout le moment, le mec, il passe. Sur ce round-là, il est legit. Il y a pas de truc bizarre. Oh, il l'a quand même suivi à travers le mur, là. Ouais, ouais, ouais. Bah, là, il cheat. Pour moi, il a un Wallach. Là, c'est sûr qu'il a un Wallach. Ah, il l'a quand même suivi un peu à travers le mur. Après, il aurait pu l'entendre. Mais pour son viseur fasse pile le bon mouvement. Là, s'il check pas, ça veut dire qu'il sait qu'il y a personne au mid. Très très bizarre de cross comme ça. Après peut-être qu'il a qu'un de leurs mates a dit 5 sur le A, mais est-ce qu'il va le check d'abord en haut? Sans le Wallach. Bizarre, c'est d'habitude, tu check pas là, et puis après tu check balcony. Tu check pas directement balcony comme ça. À la zeub. C'est pas pourquoi il est là. Ah, il veut essayer le move de sauter et de passer. Ouais. Alors, on va mettre sur pause les amis. Depuis tout à l'heure, il n'arrive pas à bunny, il est très très nul en bunny, ses mouvements ils sont dégueulasses. Et là, il fait le perfect move pour passer en dessous et pour bunny et pour prendre de la speed. Sans s'arrêter, genre ce qu'il vient de faire là, c'est un move très 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 compliqué. Donc pour moi, je pense qu'il a un autre hack. Ok, il regarde directement là. Ok, il vient toujours dans son viseur, hein. Je sais pas si vous regardez. C'est très chelou. Pour moi, il est très chaud. Et voilà, je suis pas un joueur pro. Hein, c'est pas bien. Ouf. Ouais, non, non, non. Là, d'avoir le parfait timing comme ça. Après, il l'a entendu. Hein. Il l'a entendu courir. Donc, en vrai, c'est possible. Il a que des bons timings. C'est un truc de fou. Et ce qui me paraît suspect, c'est que dès que le mec arrive dans son viseur, il tire. Alors que si vous regardez des gameplays de joueurs pro, des mecs comme Simple, quand il prend une ligne comme ça, et ben, il tire pas. Genre, son viseur, il bouge. Genre, il reste pas fixe quand il tire. Parce que là, le mec vient dans son viseur et il tire. Parce que le mec, quand il décale, le temps que toi, tu vois que le mec est décalé, tu vas devoir mettre un petit coup de viseur à gauche ou un petit coup de viseur à droite, tu vois, c'est normal. Alors que là, depuis tout à l'heure, son viseur reste droit quand il tire. Comme s'il sait que le mec va arriver dans son viseur. Bon, mais il a un Wallach. C'est trop bizarre ce qu'il fait. Vous voyez, regardez, son viseur, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Genre, il met pas un petit coup à gauche. Comme s'il sait que le mec va arriver dans son viseur et qu'il a le parfait timing à chaque fois. C'est trop, trop bizarre. Trop, trop suspect pour moi.
Bah, pour moi, on n'a pas assez de preuves, mais bon. Eda l'a visé, preuve insuffisante, même quoi qu'il a fait au début des moves un peu bizarres. Hein. Mais bon. Eda la vision, vous me dites si je suis un peu dur, mais moi, je vais mettre preuve irréfutable. Hein. Je sais pas, c'est trop bizarre. Les deux trucs qu'il nous a fait là, pour moi, il y a une autre aide externe. J'ai peut-être un peu été dur avec lui. Mauvais comportement, on veut lui mettre preuve insuffisante. Voilà, dites-moi dans les commentaires si j'ai été dur avec lui, mais c'était vraiment un cas très très particulier. Franchement, je suis content. Allez, soumettre le verdict. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire. Dites-moi dans les commentaires si j'ai été dur ou pas, si j'ai été un bon juge, si juge Matisse a été bon. Sur ce, c'était Matisse. Moi, je vous dis ciao tout le monde et bon game.